Les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo World Record sur clavier souris. Mais là les gars, on est sur une avancée technologique de qualité. Pourquoi ? Parce que là, on est passé d'un 637 à normalement, je dis bien normalement parce que j'ai pas encore vu la vidéo. Là vous, on dirait que j'ai déjà vu machin, mais j'ai pas du tout vu les gars, promis, juré, craché. Mais je l'ai pas vu. Donc là on est passé de 637 à 639, le 638 a été sauté complètement par Doxy. Doxy qui est en concurrence directe avec Natook. Voilà, c'est les deux à chaque fois qui se battent, qui grattent une seconde par-ci par-là. On va checker ça, j'espère que vous êtes prêts. En attendant, regardez, j'ai reçu un petit bonnet de Fortnite. Attendez, je vous montre ça en plein écran. J'ai reçu un bonnet de Fortnite, j'en ai reçu 5. Regardez, c'est des bonnets chevaliers des glaces ou je sais pas quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Merci Olivier, quoi. C'est parti les gars, on perd plus de temps. Doxy, 13h. Donc il a sorti la vidéo hier soir. 5300 vues, 3 minutes 21, 6 minutes 39 au chrono. On va voir s'il a pas triché, tout ça, tout ça. Coucou YouTube, les coucou YouTube, ils sont présents dans le chat Twitch. Voilà, donc je fais cette vidéo en même temps sur Twitch, twitch.tv/lebouzeux. Abonnez-vous, suivez-moi tous les jours sur Twitch, voilà, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, Doxy, qui nous régale avec ses ailes. Les ailes, le pire truc à mettre en edit, en plus il le met lui, faut montrer que c'est le boss. Allez, c'est parti. Musique de fond, un petit peu relax. Parfait. Voilà, 639 normalement les gars, on est vraiment sur une toute petite erreur. Et encore. Ça y est, je me suis entraîné les gars à faire des 90 comme ça, j'y arrive. J'y arrive à peu près, genre des fois je fais des petites erreurs mais j'y arrive en vrai. Je vais vous montrer ça plus tard, mais j'y arrive. Du coup je pourrais gagner enfin 3-4 secondes sur mon temps final. Après lui c'est vraiment propre hein. Peut-être que moi c'est pas aussi propre. Surtout que lui fait sur 2, moi je fais sur 3. Peut-être que sur 2 c'est mieux. Et il se propulse. Donc là il reste bien à gauche. Peut-être baisser un peu le son les gars. Ok. La descente parfaite. Donc je pense que descendre sur 2 c'est peut-être plus rapide que descendre sur 1. Ça faudrait vraiment que je fasse un test avec des. Avec un autre player qui gère bien la descente. Pour l'instant il n'y a pas d'erreur. Pour l'instant on est sur un perfect, il n'y a rien à dire. Personne pourra faire mieux je pense. Jusque là on n'a pas d'erreur. Là où il peut y avoir des erreurs, c'est là il se propulse. Dans l'avant-avant-dernière épreuve là, avant la grande descente. C'est là où il peut y avoir des erreurs. Lame aussi, il peut-être perdre du temps. On va voir. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Il a les deux AK. Il est à la moitié là, il va changer d'arme sans recharger. What? Ok, nickel. Ah non, c'est précis. Hein. Ah non, non, bah là, non. J'ai jamais vu, je crois que j'ai très rarement vu une map aim aussi bien réalisée. Enfin une map aim, une session aim sur ma map là, aussi bien réalisée. Elle est al dente. Voilà. C'est un robot, j'ai l'impression, ouais c'est un bot le mec qui fait ça en mode, vas-y ça c'est le parcours parfait. Le premier fail du joueur français, d'origine strasbourgeoise. Non je sais pas du tout. Oh non. Oh non mec. Il fait 6.39 en faisant ça. Oh bah ça veut dire que le 6.41 il est large faisable. Oh non! Oh là 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 là, non! Bon là, du coup, s'il fait 6.39, c'est qu'il a... Jusqu'à la fin, là, il a aucun fail. Parce que là, c'est un trop gros fail pour faire 6.39. Donc là, jusqu'à la fin, il n'y a aucun fail, c'est sûr. Après, là, il sait aussi qu'il est bien. Hein. Regarde là. Oh là, il est hyper rapide ici. Hein. Les cônes, en soi, c'est hyper dur. Faut avoir une précision de ouf pour réussir aussi vite. Bon par contre du coup je pourrais pas monétiser cette vidéo hein. Ah il arrive bien ça, je me suis entraîné aussi hier à ça là. Tellement fluide Sneaky, ah oui ça c'est très fluide hein. Ouais non, là, de toute façon là il peut pas y avoir d'erreur jusqu'à la fin hein. C'est obligé. L'erreur qu'il a faite elle est déjà trop grosse. Ah Michou par contre il est meilleur, regarde la descente, Michou il gère mieux ses descentes. Je sais pas s'il a eu un don à la naissance sur les descentes, mais on dirait qu'il fait pas exprès de les réussir parfaitement, genre.
ici, y'a même le Joker qui bouge la tête. Et y'a la JCPT qui me traque et enquête sur mon dos. Pour régler mes blèmes pro, j'ai mes couilles et je suis solo. Et attends, j'énume de pas, mais là je sais pas faire si j'ai la dalle. Ah ouais, c'est beau. Ah ouais, il y avait presque 6,40 en plus, hein. Ah non, c'est trop beau, Doxy, c'est trop beau. Vas-y, je commente. Attends, je commente. Il y a moyen de passer le 6,41. Je pense qu'il est faisable sans son fail. Après, je dis ça, j'en sais rien, je pense. En tout cas, GG à Doxy, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Pour l'instant, c'est lui qui a le world record sur la map. J'ai hâte de voir, il reste plus beaucoup de temps là, hein. Il reste peut-être 6-7 jours. J'ai hâte de voir si ça va encore augmenter, mais je pense que 6,41, en vrai, ça va être le maximum. Hein. Là, on a Natook, son concurrent direct. Draj, j'avais regardé. Mais il était pas encore assez fou. Donc c'était 6,37, hein, le world record avant. On va voir si Natook réagit. Donc voilà les potes, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous, code créateur le bouseux. Je vous laisse là, des bisous les gars.